Voilà, donc je vous refais un petit coucou. Je suis arrivé à l'hôtel un peu avant 15 h. Donc ça fait déjà un petit moment que je suis arrivé. J'ai bu un coup là. Je vais boire une sorte de iced tea avec de la glace. Et puis je suis allé manger une tortilla parce que ça commençait à creuser. Toujours la faim qui est un peu longue hein, avec le sac à dos qui coupe les épaules. Alors je crois que j'en ai perdu un paquet sur le chemin, là j'en ai dégoûté un paquet pour faire le chemin. Et voilà, c'est sûr que c'est très fatigant. C'est très fatigant et voilà. Donc je voulais vous faire une petite surprise en fait. Je voudrais faire un petit coucou à Lina, je ne sais pas si elle va pas tarder à arriver dans les Ardennes. Donc un petit coucou à Lina, à Chantal et à Thierry et à Joris. J'espère que j'ai préparé une ou deux petites surprises pour Lina quand je reviendrai dans les Ardennes, quand elle sera revenue chez nous. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai une petite pensée pour elle en ce moment, ça fait déjà la deuxième fois. Donc là, je vous ai dit que c'était quand même physique. Il y avait beaucoup de poussière, mais il y a aussi des bons côtés, puisque là, comme l'autre jour, je me suis retrouvé avec une piscine un peu plus petite quand même celle-ci, parce qu'elle fait 8 mètres par 4. C'est pas mal, mais voilà, donc c'est la souffrance, et puis de temps en temps, il y a une belle petite surprise. 10 euros la nuit. Là, 10 euros la nuit dans l'hôtel, là, c'est tenu par quelqu'un qui est d'origine italienne. Donc il y a une belle petite piscine extérieure, mais à l'intérieur, il y a un parc clos. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien l'eau. Et chemin de Compostelle, c'est pas que de la poussière, c'est pas que des chemins. De temps en temps, voilà, on peut faire un peu avoir une petite surprise. J'ai essayé de faire des longueurs, mais le tibia droit me fait mal. Donc, même temps, l'eau est assez froide. Je pense qu'elle a 28-29 degrés. Dehors, ça commence à cogner. Hein. Je pense qu'on est en train de dépasser les 35 degrés. Les moissonneuses-batteuses, ça tape un peu partout là. Ça fauche un peu partout. Mais en même temps, l'eau était froide, donc ça m'a permis de refroidir un peu le tibia. Et puis donc j'ai fait quelques longueurs, un peu de sous l'eau. Mais enfin après je suis vite au bout parce que la piscine fait 8 mètres. Donc ça m'a permis de faire un peu des longueurs et puis un peu de brasse. Puis de faire travailler tranquillement la jambe et puis surtout de la refroidir. Parce qu'elle était un peu froide à se saisir dedans. Donc vous voyez, il n'y a pas que des mauvais côtés sur le chemin de Compostelle. Il y a aussi les bons côtés avec des petites surprises de temps en temps. Et on peut détendre. Donc voilà, j'ai encore une petite pensée pour Lina, que je sais que elle,